Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Let's Play sur Vampyr, un jeu de Dontnod je crois, qui est sorti donc hier, donc il est vraiment tout neuf, tout récent. J'avais vu un petit trailer qui m'avait paru sympa en l'occurrence, et j'avais envie de tester pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, le jeu nous conseille de jouer à la manette, enfin c'est pas vraiment dit mais dans les contrôles de base ça a l'air de nous pousser de jouer à la manette. On verra, s'il y a beaucoup de tirs, je sais pas vraiment comment le gameplay va fonctionner, donc si c'est beaucoup de tirs, je repasserai sur le clavier souris, mais sachez-le, je joue à la manette. Et on est parti, évidemment s'il y a des soucis de son, je compte sur le chat pour m'en faire part. La difficulté de ce jeu est directement liée à vos actions, plus vous ôtez de vie, plus le jeu sera facile. D'accord, ok, donc premier conseil, faites un carnage. Bon. Et d'ailleurs, vampire qui n'a pas du tout l'orthographe qu'il faudrait, même vampire en anglais, c'est un dreams for the Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? J'ai l'impression qu'ils en font trop. Ah oui, Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Voilà, le contexte, c'est la ville de Londres. Dans les années 1900, je crois. Non, je sais plus. Non, bref, c'est Londres en proie à des épidémies de maladies. En fait. C'est pas la peste, mais de bonnes grosses épidémies. Je sais pas pourquoi je dis 1900 parce que ça a pas du tout l'air de ça, mais voilà. Évidemment, il y a des vampires. Par contre, je sais pas pourquoi, mais on joue le fossoyeur de film. C'est intéressant. C'est complètement le fossoyeur de film en fait. C'est assez troublant. On a notre personnage. Alors, oula, c'est. Vous en faites pas, il n'y a pas de souci avec votre écran, je vais pas vous faire le speech de la quatrième dimension, mais oui, la désaturation est voulue apparemment. Et les effets de tremblement, d'altération, je sais pas trop. Ah voilà, on a l'air d'être dans un Londres industrialisé, en proie... globalement, vous prenez Dishonored mais avec des vampires. Voilà, je pense que ça va être un peu ça. Ça doit être ouest,
D'ailleurs, à la même époque que Dracula de Stoker est censé se passer, c'est-à-dire dans les années 1890, etc. Alors, on joue le docteur Jonathan Reed. Bonjour. Ah, je pensais t'avoir perdu, je te fais un câlin et... Je savais que tu étais en vie. Bon, on entend à peu près ce qu'elle raconte, mais c'est pas sous-titré, c'est dommage. Non, mais clairement, quoi. Mec, la jugulaire. Mary. No. No. C'est un jeu que je qualifierais de double A. C'est-à-dire que c'est une sortie importante, mais pas une grosse sortie. Voilà. Un triple A, c'est un nouveau Mario, un nouveau Zelda, Monster Hunter qui arrive à la fin de l'année. Voilà. Et les double A, c'est des jeux qui peuvent se révéler extrêmement bons ou extrêmement mauvais en fonction de... Comme vous voyez, par exemple, le premier The Witcher, c'était un double A à l'époque. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine communauté, ou des gens qui l'attendaient parce qu'ils avaient vu les trailers, etc. Mais il y avait... C'était pas la frénésie absolue. C'était pas la frénésie absolue. Alors que... Voilà, excusez-moi, par contre. Voilà. Je vais modifier un peu la vidéo parce que j'ai un peu l'impression que... le jeu est pas optimisé, quoi. Donc, je vais descendre un peu la qualité pour peut-être augmenter les FPS. Voilà, hop. La distance de vue, je vais la mettre en moyenne plutôt que haute. Voilà, on devrait être... C'est un peu plus fluide. Ouais. Et donc, ouais, voilà, c'est un double A. C'est-à-dire un jeu qu'on peut attendre, mais il n'y a pas de gros... Il n'y a pas d'énormes annonces, quoi. C'est pas un GTA qui sort. Et assez ironiquement, donc, les double A peuvent être... Des très très bonnes surprises ou pas. J'ai un couteau. Enfin, c'est une machette. Pas mal. Bon, le personnage glisse un peu, hein, clairement. Tu peux pas récupérer son flingue? Non, mais attends, tu veux pas me dire que je peux pas récupérer son flingue? Voilà. Donc je suis curieux de voir ce que le jeu m'est proposé. Mec, il le bute, je fais désolé. Bon, en même temps, je comprends, hein, s'il est chassé, etc. Il a peut-être pas forcément envie de buter toutes les personnes qui croisent, mais s'il ne lui laisse pas le choix. Ok, donc. Pour esquiver, ça consomme un peu d'endurance. Donc on a de l'endurance. Testons l'intelligence artificielle de ce jeu. Elle est aux fraises. C'est quand même con pour Jonathan que la première personne sur qui il tombe ce soit sa sœur. Enfin bon.
I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ok, donc on n'aime pas le soleil. Sensiblement comme le feu vous inflige des dégâts aggravés qui diminuent votre barre de santé max. D'accord, donc ça peut être c'est quelque chose. Ou le soleil j'imagine. Okay. Alors il faut savoir hein, que le fait que les vampires ne puissent pas, enfin craignent la lumière du soleil, c'est une invention. Alors ça a une double origine. La vraie origine c'est pré-Dracula, donc avant que les règles du vampire classique soient définies, et post-Dracula avec son adaptation de... avec l'adaptation libre du Dracula de Stoker avec Nosferatu. Nosferatu ne peut pas vivre à la lumière alors que Dracula lui peut parfaitement se balader en plein milieu de... peut se balader en plein soleil. Donc là, on est dans un mix des deux, j'ai l'impression. Voilà. Il boit du sang pour se tenir en vie. Il récupère de l'énergie et de l'endurance. Mais il craint aussi le soleil. Et apparemment, il y a aussi des pouvoirs vampiriques. On verra à quel point ils sont développés. Le place seems abandoned. I should be safe enough here. Ah, justement. C'est vraiment le fossoyeur de film, en fait. De face, pas trop. Mais de profil, oui. Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Quiconque a fait ça, eux, en fait, ils t'ont fait un truc à toi. Parce que, bah, elle, c'est toi qui lui as fait quelque chose. I had better remain here until nightfall. Soleil et feu, nouvel objet à collectionner. Donc, d'accord, il faut attendre la nuit pour pouvoir commencer à se balader. Alors, est-ce qu'on a des objets? Ah, voilà. On a une carte. Ok, donc il y a un menu. D'accord, donc c'est un peu type RPG, action RPG. On a des compétences. D'accord, il faut équiper des compétences. On a une compétence ultime. Très bien. C'est assez, assez original, mais... original. On en voit beaucoup moins dans les actions RPG des compétences ultimes. À part dans les God of War avec les rages de Spartiate, etc. Mais bon. La machette usée. D'accord, donc il y a vraiment vitesse d'attaque, endurance, etc. Je m'attendais presque à une barre d'usure. Donc l'inventaire, des munitions, des sérums du traitement, de Camelot, très bien, et des objets de quête. Parce que je vous rappelle, on est un docteur à la base. Ils le diront après, certainement, mais voilà, c'était marqué dans le délire. D'ailleurs, il y avait un disclaimer au tout début du jeu, vous l'avez peut-être pas vu. Enfin, vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, parce que j'ai lancé la vidéo après, où c'est marqué... Si c'est ça, 1918, je dis pas de conneries en fait, parce que justement c'est le disclaimer qui nous disait ça. Les compétences médicales qui sont données sont celles de 1918, mais modifiées pour gérer des créatures surnaturelles. Donc n'essayez pas de soigner des gens avec ce que vous apprendrez dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est intéressant qu'il l'ait précisé quand même. Soleil et feu. Les sueurs de sang ne craignent pas le soleil et ne sont pas immédiatement réduits en cendres s'ils sont touchés par ses rayons. Par contre, cela leur fait très très mal. Un jour, j'ai enchaîné un vampire à un arbre afin de voir ce qui allait se passer au lever du soleil. Sa peau a noirci en l'espace de quelques minutes comme si elle brûlait de l'intérieur. Ses yeux et sa chair ont fondu et j'ai vu de mes propres yeux ses os se tortiller toute la journée pour essayer de s'extraire de ses chaînes. Au bout du compte, il n'en est resté qu'un cadavre desséché qui a lentement commencé à se régénérer dès que le soleil a disparu de l'horizon. Je lui ai coupé la tête afin de le détruire pour de bon. Mais lorsque j'ai fait la même expérience avec du feu, il n'est resté du sueur de sang qu'un tas de cendres dont il n'est jamais revenu. Le feu est donc notre arme de prédilection, mes frères. Le meilleur moyen de nous débarrasser d'un vampire est de le brûler. Issu de « Connais tes ennemis » par Karl Eldritch, commandant de la garde de Priwen.
Eldritch, voilà, hein, on va tout de suite là-dessus, partir là-dessus. Ok, donc là, caméra est un peu bizarrement sensible en fait. J'ai l'impression qu'elle est lente au début et après elle part d'un coup. C'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est des petits défauts du jeu que je vais accepter sans trop de problèmes. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Nah, give him an eve. Non, François, pourquoi as-tu été balancé dans la fosse? C'est impossible. Mais il a pas la même voix, mais il a la même gueule, quoi. C'est fou. Je vais faire un screen, je vais l'envoyer au Fossoyeur. Je n'utilise pas Twitter, mais je trouverai un mode de le contacter en disant pourquoi, qu'est-ce que tu fous dans le jeu, quoi. Non, vraiment. Autant là, vous le regardez de face. Bon, bah voilà. Mais là, ça, c'est le Fossoyeur de film. Hein, on est d'accord. Désolé, je vais délire un peu là-dessus pendant un moment parce que ça me fait rire en fait. Ah ah, le miroir est brisé. Et de très mauvaise qualité aussi, mais ça c'est autre chose. La tête que vous faites quand vous ne vous souvenez plus si vous avez éteint le feu avant de partir. Non. Non. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Voilà, donc le jeu est pas moche, mais je pense que ça vient de mon PC. Pour les besoins du live, etc., je baisse les capacités du truc pour être sûr que vous ayez quand même une image qui soit fluide. J'espère que ça l'est quand même un peu. Ouais, ça va. Parce que voilà. Mais sinon, le jeu serait un peu plus beau, mais c'est pas du ultra ultra beau, etc. Vous avez pas récemment, par exemple, il y a Detroit Become Human qui est sorti. Bah, ce jeu n'a que du visuel quasiment à proposer, bon, les choix, etc. Mais le visuel est vraiment le point le plus important, et donc le truc est léché. Là, ils ont quand même essayé de faire un jeu à côté, donc voilà. Des shillings. Tiens, on a un lointain cousin, non? Je sais pas, il a la même tenue, mais... J'en étais sûr, le mec se met de la drogue dans le sang. La drogue n'était plus suffisante, il lui fallait quelque chose de plus fort encore. Il a décidé de se mettre une balle dans la tête. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Ce qui est souvent vrai, d'ailleurs. It never got easy. Bon, c'est pas facile pour le moral, mais en termes de capacité et de possibilité, vous aurez beaucoup moins de mal à tuer quelqu'un qu'à le sauver. Ok, donc là on a... Est-ce que l'on peut dormir? Ah, il y a un autre truc avec... Oula, qu'est-ce qui se passe? Journal ensanglanté, 15 octobre, mal dormi, Becky. Qu'est-ce que tu me fais? Désolé, ça c'est un coup de ma manette. Becky a toussé toute la nuit et la fièvre l'a fait délirer. J'ai entendu un énorme boucan ce matin. C'était une grosse machine que des ouvriers ont apportée sur les berges afin de creuser un trou dans le sol, comme une sorte de pelle mécanique.
Pourrais-je peut-être pourrais-je aller leur demander du travail. Becky a besoin de médicaments. C'est Octobre, j'ai parlé aux hommes qui utilisent la pelle mécanique. Ils m'ont dit qu'ils creusaient des fosses communes un peu partout dans Londres. Mesure de précaution, à ce qu'ils disent. Y aura-t-il une nouvelle épidémie? La grippe ferait-elle son retour? Il n'avait pas de travail à me proposer. Becky a un peu dormi la nuit dernière. La fonderie a fermé et il n'y a plus de boulot dans le coin. A un peu dormi, oui, c'est ça. Becky a un peu dormi. 19 octobre, je suis allé à Londres pour acheter des médicaments et de quoi manger. Aucun train ne fonctionne. J'ai mis la journée à traverser la Tamise, puis à revenir. Effectivement, à la nage, ça doit être compliqué. Becky semble aller mieux. Je lui ai préparé une soupe. Elle l'a mangée. Je n'ai pas trouvé de médicaments. Seulement quelques seringues et de somnifères au marché noir. Nous n'avons plus d'argent. Peut-être pourrais-je aller au Pembroke Hospital demain. Mais il est tellement loin, j'ai peur de laisser ma femme seule aussi longtemps. 19 octobre. Encore le 19. Ok. Becky a vomi son repas quelques heures après l'avoir mangé. Elle est désormais si émaciée que j'ai envie de pleurer. Elle dit qu'elle entend des voix à l'extérieur la nuit. Elle dit qu'elle veut manger de la viande. Où est-ce que je vais en trouver de la viande? Demain, je vais barricader la maison pour me protéger des pillards. 21 octobre. Les hommes avec la pelle mécanique ont arrêté de creuser une nouvelle fosse commune. J'ai entendu des cris hier, comme s'ils avaient été attaqués. Maintenant, de jour comme de nuit, seuls des bateaux s'approchent pour jeter des cadavres dans le grand trou. L'odeur est atroce. On aurait dû quitter cette maison il y a des semaines, mais Becky refuse de partir. Elle m'a dit qu'elle préférerait encore mourir avec un sourire effrayant. Pourquoi me torture-t-elle comme ça? 22 octobre. Becky vient de m'attaquer. Elle m'a sauté dessus depuis l'escalier et a essayé de me mordre. J'étais obligé de la frapper et elle m'a frappé en retour. Je suis monté enfermé dans la chambre. Maintenant, je l'entends pleurer et marmonner en bas. J'ai récupéré le pistolet que j'avais caché dans le plafond après la guerre pour nous protéger. Je suis désormais prêt à l'utiliser pour me protéger de ma propre femme. 23 octobre, je n'ai pas fermé l'œil. Becky a passé toute la nuit à gratter la porte en demandant mon aide et en me suppliant de la laisser entrer. Mais j'avais trop peur pour le faire. J'attends juste qu'elle meure désormais. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je prie au ciel pour que tout se termine rapidement. 24 octobre, j'avais tellement faim. Je suis descendu ce matin. Becky était assise dans le fauteuil près de la cheminée. Elle haletait comme un chien en me regardant fixement, sans bouger d'un pouce. Ses yeux suivant simplement mes mouvements dans la pièce. J'ai pointé mon pistolet vers son visage meurtri. Elle n'a même pas réagi. Je n'ai pas eu la force d'appuyer sur la gâchette. Je suis retourné dans ma chambre. 25 octobre. La maison est désormais plus silencieuse qu'une tombe. Il n'y a plus aucun bruit. Becky est morte maintenant. Pardonne-moi, mon amour. Je n'ai pas pu te sauver. Nous nous retrouverons bientôt. Désolé, hein, je lis tout parce que ça m'intéresse déjà. Et puis, ça vous fait plus de... Voilà, plus de contenu, plus de lore. Allez. Je suppose qu'on peut dormir. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. C'est ça que j'aime pas sur les jeux où des fois t'as les infos que ton personnage va finir par ignorer. C'est-à-dire que là, par exemple, il a reçu le truc qui dit le soleil et le feu, ça brûle les vampires. Le soleil et le feu, ça brûle les vampires et il y a pas d'arme dans le baril. Il y a pas de balles, normalement. S'il arrive à tirer, c'est qu'il y a un problème avec le jeu parce qu'il y avait plus de balles. Rational thinking only. Et donc ouais, avant de tirer, il a lu un truc sur le soleil et le feu comme quoi ça brûle les vampires. Il a été brûlé par le soleil. Le mec a dit ah espèce de pourriture, espèce de monstre, suceur de sang. Hein. Normalement tu sais, je veux dire, normalement tu sais. Le mec te traite de suceur de sang. T'as déjà commencé à boire le sang. Il sait qu'il a bu le sang de sa propre sœur en l'attaquant. Il est brûlé par le soleil. C'est bon, il sait déjà ce qu'il est. Quoi. Il devrait pas pouvoir tirer, le baril était vide. Vampire. La balle dans le cœur, ça fonctionne pas. This is absolute madness. I've lost touch with the real. As mad as the moon. Contains blood in sunlight.
Évolution, les lits des refuges vous permettent de vous reposer et d'évoluer, dépenser des points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques. Autophagie, consente excellent, disponible, autophagie. 200 de soins, coût 10, récupération 3. Vous consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggravés. D'accord. Autophagie passive. Le vampire utilise des pouvoirs de son sang pour soigner les dégâts normaux et aggravés et augmenter la régénération de sa chair, ses nerfs, ses os. Cette compétence vampirique peut devenir extrêmement puissante avec le temps et étonnera plus d'un chasseur de vampires inexpérimenté. Nous croyons que tous les vampires sont immortels, en un sens ils le sont, mais lorsqu'on bloque leur capacité de régénération surnaturelle, ils deviennent soudainement beaucoup plus vulnérables. D'accord. D'accord, donc après ça devient soit instantané, soit beaucoup plus de soins. Ouais, après le coût est aussi plus gros. Ok, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Autophagie. Évolution, agressive, alors. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qui fait quoi. Les griffes, une attaque à courte portée qui peut découper toute créature vivante devant vous, coût 25 récupération, 3 portée courte, 220 de dégâts. La lance de sang, vous projetez une lance faite de sang qui peut transpercer les ennemis devant vous. 190. Ah, de sang. Donc ça doit être des dégâts élémentés, je suppose. Oui, c'est ça. Coût 25, rien. Portée longue, évidemment. Et la brume des ténèbres, 250 de ténèbres, coût 20. Hein, vous placez un nuage d'ombre à vos pieds ou ceux de votre cible. Le nuage explose après quelques secondes, infligeant de sérieux dégâts. La brume des ténèbres me tente parce qu'elle fait plus de dégâts que le reste, mais et qu'en plus elle est une longue portée, il y a de là-haut, etc. Mais je sais pas pourquoi je sens que c'est. J'ai l'impression que c'est la compétence qui a l'air d'être sympa à l'écrit, mais mauvaise après. Je vais prendre la lance de sang. Ah, il faut 1000. Ouais, donc c'est ça. Également plus de dégâts, ou alors c'est des trois petites lances. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. La brume des ténèbres. Vampire concentre des ombres autour de sa proie et fait exploser après un compte à rebours. Cette explosion inflige des dégâts à tout ce qui trouve à proximité, comme des lames affûtées. Nombreux vampires utilisent cette compétence pour éliminer des groupes d'ennemis à distance. Autant que prédateurs naturels, Mère Nature a offert de précieux cadeaux aux vampires comme les griffes qui remplacent leurs ongles. Ces armes natives leur permettent de trancher la chair avec aisance et sont très utiles pour trancher les artères d'une cible. On va prendre la lance. Je vais prendre la lance de sang. Ça me fait une attaque à distance. On verra bien ce que ça donne. Si c'était de la merde, bah c'est dommage. Déverrouiller la lance de sang. Voilà. Confirmez votre choix. Pourquoi se garder ? D'accord. Donc en plus, on peut au moins. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être bien réglé leur truc quand même. I'm not mad, then. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Se rendre à North Bank. Where is he? Where are they? These people want me dead. I need to leave now. Leech, hein, donc la sensu. Pas mal de téléportation. J'imagine ça peut pas être très. It's locked, alright.
Arme main gauche. Les armes main gauche peuvent être utilisées en appuyant sur le J-Grec et plein de des attaques spéciales consomment de l'endurance. Très bien. D'accord, donc maintenant j'ai la machette et un couteau. Il est un peu lourdingue, hein, machin, quand même. Pas dans ce qu'il raconte, évidemment. Mais il est lourdingue dans ses... Utilisez votre puits à infliger des dégâts de détournissement. Il est lourdingue en termes de déplacement. Appuyez sur A pour mordre un ennemi étourdi. Mordre un ennemi, remplir votre barre de santé vous permet de récupérer du sang nécessaire à l'utilisation de compétences. Donc. Non, 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 non. Strength I never knew I had. Cross the leaves, boys. Impossible. Every sinew, every fiber of my being is a fire. I feel like a child learning the limits of my body. Je vous laisse OK. Si. Bon, la lance de soin est assez puissante quand même. My reflexes. Enfin, tes réflexes, mec, t'es quand même un 33 tonnes à contrôler, hein, ça c'est... L'état du quartier est stable, d'accord. C'est encore un jeu avec des choix, hein, donc ça c'est assez logique, et d'ailleurs pour un RPG c'est plutôt intéressant d'avoir, bon, les jeux narratifs à choix, ça s'impose, les RPG avec des choix c'est plus intéressant. Your king and country needs you. Join the British banks and help the brave lads at the front. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères au front. Ça, ça doit dater donc bah, justement de la fin de la guerre. Enfin, c'est 1918 donc effectivement. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary. Someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est pas très. Enfin, pas développé sur ce truc. J'espère que ça sera plus développé après, parce que là, franchement, j'ai l'impression que le mec il a juste fait une erreur et on. Oh mon dieu. This is despicable. Ouais, le mec bouffe des rats. Pas génial. Des shillings. I cannot enter. Je sais pas si c'est. Si c'est correct d'utiliser encore des shillings à cette époque-là, très certainement. Ça doit être bloqué aussi, j'imagine. It's locked. Voilà, puisqu'on a un autre passage à côté. Ah, on peut le faire d'ailleurs que quand il y a des dizziness from the jump. I can now control it. It's locked, all right. Alors j'ai augmenté un peu la luminosité par rapport à ce qu'il me conseillait. C'est un peu compliqué des fois de voir des trucs. What will London have to say to me? Oui, non, ça c'est clairement. There's so many questions unanswered. J'ai tant de questions sans réponse. Mec, arrête de dire ce que tu penses. Enfin, c'est bien pour entendre les pensées de ton personnage des fois. Pourquoi on peut pas utiliser les armes? Okay. Mais c'est chiant, genre. Ah bah je pense ça. Ah bah je dis ça. Oh. Ouais, mais bon.
Au moins, ça laisse un peu le... Comment dire. Ça permet d'éviter les phases avec du rien, parce que j'imagine que quand on est vampire, la nuit, on va pas... Et voilà, je pense que ça évite que le mec sa vie à dire du rien, enfin, justement rien dire. Après c'est bien aussi hein, de temps en temps le fresh blood. The smell is so strong. Bring out your dead, bring out your... Non, pardon, mauvais film. Qu'est-ce qu'on peut... Oula, la luminosité, elle est dégueulasse. Désolé, hein, je vais augmenter encore la luminosité parce que j'ai peur que ça fasse des... soit pas génial pour la vidéo. Voilà. Puis même moi, hein, ça me fait chier de toujours me balader dans des endroits où il fait... on n'y voit rien. I cannot enter. Ok, donc là, c'est... soit on revient après en mode un peu plus ouvert, etc. avec des clés. There is no one in sight. Mec, t'as vu quelle heure il est? T'es du côté. Enfin, t'es pas loin de Londres en 1918, après la guerre, il fait nuit, il pleut, évidemment, il y a personne à l'heure, quoi. Ah! C'est bien, on peut connaître la carte de visite des gens. Wouah, d'accord. S'instillant grave critique hostile. Les docs, quartier inconnu, d'accord. Wouah, ça c'est intéressant. Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas ce que ça a donné, mais au moins c'est intéressant. Notre armée a besoin de vous. At last, a little life. Good evening, bonjour, sir. C'est quoi votre groupe sanguin? I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Le mec est aussi crade que toi. Seen that. Don't worry, things can only get worse. Avez-vous vu entrer quelqu'un dans le pub? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc on a une roue à le Mass Effect. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Okay, there you go. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Ouais, alors les conseils spirituels de la part d'un mec qui visiblement tient pas debout, c'est chaud quand même. I'll leave you to your bottle then. Fatigue. Ah d'accord. Qualité du. Alors, Dyson Delaney. Fatigue, 30% de qualité du sang perdu, d'accord. La qualité du sang d'un citoyen dépend en grande partie de sa santé et du nombre d'indices que vous avez recueillis sur lui avant de l'éteindre, de l'étreindre. D'accord. D'accord, il faut leur parler pour pouvoir... Ah ! Un misclic. Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night.
La nuit va être longue. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Ok, je me pose la question de savoir si... Enfin, d'une certaine manière, je trouve ça cool qu'ils parlent tous en anglais. Un doublage français, ça fait jamais de mal. Parce que les doublages français sont vraiment de meilleure qualité ces dernières années. Mais c'est vrai que le fait qu'ils parlent en anglais, si c'est Londres, ça reste assez logique. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. A last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. I thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. C'est un établissement respectable, vous savez. C'est pour ça qu'on l'a centré des mecs couverts de sang et des hommes bourrés aussi. Est-ce qu'il a pas les yeux un peu rouges, notre ami Jonathan, œil de poisson? Alors, machine. La tortue turquoise, c'est rigolo. Oula, je voulais juste parler à la serveuse, hein. J'ai pas demandé. Hello, sir. Ouais. Are you all right? Is there any way I can help you? Le jeu, il a pas aimé, quoi. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Okay. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Ça fait le chien des rues, donc c'est un chien, quoi. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Je veux juste vous parler. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah.
course. I mean, I best check on them. En même temps, mec, t'es couvert de sang. Tu m'étonnes qu'elle ait pas envie de te parler. Et il le fait. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. Bonjour, monsieur taché de sang, que je sais que c'est un vampire et que je me protège avec une croix qui fait de la lumière et que je parlais certainement avec une autre vampire parce qu'elle s'est téléportée et est sortie par la fenêtre. Asseyez-vous. Pour ceux qui se demandent, je viens de repasser sur mon clavier. Voilà. Vous d'abord, dites-moi qui vous êtes. Tell me. Who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire, like you. Je suis une victime, moi aussi, évidemment. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Et qui parlez-vous? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Et la moustache. Pour plus de détails, oui. Qualité du sang 6000 XP. Ah oui, donc en bonne santé. Donc c'est à dire que lui il vaut du point. Il vaut beaucoup de points. Pilier. Pourquoi pilier? D'accord, donc ça, c'est un mec qui est important. Il est fatigué, guérir avec traitement pour la fatigue. Ah oui, c'est ça, on peut traiter les gens. Enfin, comme on est un docteur, en fait, si je comprends bien le système du jeu, c'est qu'on va devoir soigner des gens pour les bouffer. Oui, c'est bien de garder son. C'est bien de garder ses plats en bonne santé. Que savez-vous? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished, reckless. It must be brought to ground and quickly. Okay. Qu'est cette confrérie? And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. D'accord. Ce qui ne veut rien dire parce que si j'ai pas plus d'informations plus tard. Si. C'est quoi cette confrérie? Plus tard, parce que ça te dit, si ça te dit rien, plus tard. Plus tard. C'est quoi la confrérie au fait? Si ça te dit toujours rien, plus tard. Ouais, enfin, faut que tu me donnes des infos aussi, mec. Then help me find the culprit. C'est ridicule. I may. If you'll first tell me why you open this door.
I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Mm-hmm. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Pas sûr que ce soit vraiment une coupe de cheveux des années 1920. Bon, par contre, les sensibilités. Alors, excusez-moi, hop, jouabilité. Faire sur les touches. SD, courir, bon, jusqu'à ce que ça va. Esquiver l'espace, marcher, maintenir. Ok. Un peu bizarre. Attraction F, attaque corps à corps, tirer, compétence. Donc, tête. Ça, c'est bon. Ok. Les consommables, c'est facile. Changer d'arme corps à corps, changer d'arme en distance, c'est bon. L'utiliser l'essence. Ok. Mais est-ce que je peux voir la sensibilité de la souris peut-être? Voilà, si ça se... C'est là, j'ai pas. On va mettre à 3 pour voir. Toujours assez sensible. Voilà, je préfère quand c'est moins sensible parce que justement ma souris elle l'est. Peut-être mettre à 2, ce sera un poil mieux. Voilà, beaucoup plus sympa. Très bien. Oui, en attendant, je te pique ton pognon, mec, hein, c'est pas... Interroger les résidents. Wow. Les caméras... Les mouvements de caméra sont un peu compliqués, je... C'est un peu bizarre, quoi. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Mais tais-toi, les gens discutent. Someone must know something. Tout le monde. Ah d'accord, il faut vraiment que je les interroge pour le coup, c'est pas juste... Donc, il y a certainement d'autres dialogues qui sont ouverts. Welcome back. Salut à Iki. I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. Hello, sir. May I... You're still ugly as sin. Bon, lui, il a pas I'll leave you to... Hey, t'as toujours une seule gueule, mec. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Je veux la vérité. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual.
My God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. J'ai l'impression d'être devant un film série B, quoi. C'est... Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Alors, un indice sur les citoyens. Vous avez découvert un indice. Celui-ci révèle un secret sur les citoyens ou une de ses relations. Tom Watts, d'accord. Donc, Tom et William étaient de bons amis. Alors, en tant que vampire, vous avez besoin de sang humain pour évoluer. La barre de qualité du sang d'un citoyen indique l'expérience que vous gagnerez si vous vous nourrissez de celui-ci. Les indices déverrouillés augmentent la quantité d'expérience reçue. Très bien. D'accord, donc en fait, chaque personne a plein de secrets, etc. Ça va être le bordel. Mais au moins... You again. What can I do for you? Ok, d'accord. Parlez-moi de William, donc. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Qui est-il? Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. Est-il dangereux? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Par contre, pour un bar, vous avez genre trois bouteilles qui... Il y en a même des vides à côté, quoi. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside. And then he left when I refused. Mm-hmm. Ouais, donc c'est un vampire. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ok, donc faut aller inspecter les bateaux. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? C'est intéressant parce que la voix est pas la même quand il pense et lorsqu'il parle comme tout un chacun en fait. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Il a mis ses vêtements. This man was armed. He tried to defend himself. Il avait un problème de texture par contre. This corpse has been dried of its blood. Just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Mm-hmm. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Okay. Alors, hop. Ah, oh, c'est ça. Non, d'accord, c'est... Ordre de Prewen. 30 octobre, expéditeur G. McCallum. Destinataire, patrouille des docks. Sujet, multiple morts dans la zone des docks. Nous pensons qu'un de ces satanistes suceurs de sang est le responsable. Trouvez ce monstre, éliminez-le au plus vite. Attention, selon dernières informations, ce vampire est extrêmement violent. Restez très prudent en l'approchant. Je sais que nous manquons d'hommes dans cette partie de la ville, mais n'envoyez pas des bleus enquêter sur cette affaire.
Si mon intuition est la bonne, nous avons affaire à un véritable fou furieux qui tue toutes les nuits. Comme toujours, fouillez d'abord les endroits abandonnés comme les vieilles maisons, les sous-sols, les égouts, les entrepôts désaffectés. Détruisez ce suceur de sang, mes frères. These men, they're a company of professional vampire hunters. Est-ce qu'on peut nager ? Non, évidemment. Par contre, on peut se TP, c'est pas plus mal. Ça m'a fait chier d'avoir à faire tout le tour. D'accord. Pas se s'accroupir. Très bien. Arme à distance, équipez-vous d'une arme à distance, puis appuyez sur clic droit pour infliger et utiliser infliger des dégâts standards et des dégâts d'étourdissement. N'oubliez pas que les munitions sont longues. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Shut that foolish mouth. Certains ennemis sont plus résistants à certains types de dégâts. Il existe 4 types de résistance, corps à corps, distance, sans ténèbres. L'orange indique une résistance moyenne, la rouge indique une résistance forte. Tu es sûr ? D'accord. Très bien. Des balles en plus. C'est pas ce que je voulais faire. Comment est-ce que j'ai... Ok, ça change rien. Et là, il a quoi ? Ah, nouvelle pratique, nouvelle tactique. Je sais que certains de nos compagnons considèrent comme notre plus grand avantage dans notre lutte contre les suceurs de sang qu'ils ne peuvent pas sortir en plein jour. Ainsi, nous pouvons trouver où ils se cachent et les tuer lorsqu'ils sont impuissants pendant leur sommeil. C'est une erreur de débutant. Tout d'abord parce que les vampires sont intelligents et qu'ils ont d'innombrables ruses et subterfuges pour éviter que l'on ne repère leur antre. Ensuite, parce qu'ils mettent en place de nombreux pièges pour tuer quiconque s'introduirait dans ce qu'ils considèrent comme leur refuge le plus précieux. Chercher les cachettes des vampires pour les éliminer vous coûterait trop d'hommes et trop de temps. La meilleure des tactiques est de les suivre et de les détruire lorsqu'ils sont vraiment vulnérables. Lorsqu'ils chassent la nuit, il est bien plus facile de les attaquer à ce moment-là car on peut facilement les repérer. C'est pour cette raison que la garde de Priwen doit évoluer et mettre en place de nouvelles tactiques pour chasser les suceurs de sang. Il faut utiliser de petites patrouilles mobiles et tirer profit de nos avantages technologiques et des moyens de communication modernes. Nous pouvons en apprendre beaucoup de la guerre en France, nouvelles tactiques, nouveaux équipements, nouvelles armes, grenades, phosphore blanc, lumière ultraviolette. Ça n'a pas du tout été développé à cette époque, mais gilet pare-balles et lance-flammes. Il tente pour la garde d'entrée dans le XXe siècle. Issu d'une nouvelle guerre par Geoffrey McCallum, commandant de la garde de Priwen. Au moins, ça nous aura donné quelques infos, notamment sur qui est ce McCallum. Voilà, on en est. Non, je me disais aussi, ça ferait bizarre qu'on puisse pas l'ouvrir. Alors,
Le Lumpara, Lupara usé, 170 dégâts, et revolver usé. C'est un fusil, d'accord. Il faut beaucoup plus de dégâts, mais c'est normal. Ouah, après, d'accord. Il y a aussi du craft. Oh là 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 là, ça va être le bordel. On peut pas tout détruire en termes de bâtiments, c'est triste. Pas de dégâts de chute, on dirait. En tout cas, il est pas tombé d'assez haut pour qu'il y ait des dégâts de chute pour l'instant. Alors, juste, comment est-ce qu'on... D'accord. Voilà. D'accord, ok, donc pour furtivité, c'est sur A, ça fait super bizarre. Les rats grouillent près des refuges, utilisez vos sens afin de les localiser facilement. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Oui, effectivement, c'est pas génial, mais bon. Un refuge, vous allez trouver un nouveau refuge, vous pouvez y dépenser vos points d'expérience en dormant ou bien fabriquer des objets sur l'établi. Très bien. D'accord, ah d'accord, ce sont des munitions pour revolver. C'est-à-dire quand on va dans un refuge, on peut récupérer tout. Morceau de poignée commun, plaque de plomb, d'accord. Donc. Effectivement. Artisanat et les établis vous permettent de fabriquer des traitements, des sérums, des améliorations d'armes de modules. Donc, booster votre métabolisme durant les combats et les personnaliser pour les armes. Vous avez assez d'ingrédients pour améliorer l'une de vos armes. Appuyez sur D. L'arme de corps à corps. Je suppose que c'est celle-ci. Non, c'est même pas celle-là. C'est la machette. Alors, soit on... diminue la consommation d'endurance de 10, soit augmente les dégâts infligés de 10%. D'accord. Il faudra de la poudre. Ok, d'accord. Donc c'est... bon, c'est juste du craft, quoi. Mais c'est bien, ça donne des capacités en plus. On peut vraiment commencer à se spécialiser. Plus 100, ténèbres, revolver, etc. C'est assez intéressant. Il faut combien, là, pour... il faut 1000. Ah, j'ai pas. Il y avait un truc pour les morsures, j'ai oublié de voir ça. Régénération rapide augmente votre régénération de vie lorsque vous utilisez morsure au combat. Monte les quantités de dégâts infligés lorsque vous utilisez morsure au combat. On va monter les deux, on sait pas. Science, vous pouvez transporter plus de sérum, augmente le nombre de balles. Sang, augmente votre capacité sanguine, la quantité de sang absorbé lorsque vous utilisez morsure au combat. Corps, augmente l'endurance et la santé. Les ultimes, ce sera pour plus tard. Et tactique, des jumps et de la furtivité. La défense, c'est ça. D'accord. Non. Il y a énormément de trucs à améliorer. Il va y avoir plein de niveaux. J'espère que le jeu sera assez long. Écoute, on en est un peu plus d'une heure de jeu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je compte continuer le jeu. Je vais quand même continuer à trash talker un petit peu le truc, hein, évidemment. À continuer à faire ma langue de pute. Parce que c'est rigolo, écoutez. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous voudrez plus de Vampire. Et
Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, commenter, partager comme d'habitude. Et évidemment, vous avez les liens pour rejoindre le Twitch et le Discord pour rejoindre la communauté dans les liens dans la description de la vidéo. Voilà. Bah écoutez, portez-vous bien. Et d'ici là, jouez bien, jouez beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!